sûrement dans un endroit sûr. Petite récompense, un paquet de canulars à celui qui retrouvera la nacelle. Voici les premiers essais de fonctionnement du moteur. Ce moteur doit permettre l'ouverture puis la fermeture des panneaux qui récolteront les météorites. Tu vois ? Ça fait combien de temps, Pauline ? 3 minutes. Combien ? Ça va être 6 minutes. 6 minutes. À présent, il faut tester le montage électrique du capteur de température. Ouais, c'est bon. Voilà, on va faire. À 11, c'est 3. À 11. Pas de terminer. Sans tirer dessus, hein. Oui, c'est bon. Là, il est là. Hein. Alors, la seringue, comme on sera dans la. Quand le balançon sera dans l'altitude, le piston va aller vers la gauche, ça va appuyer sur le commutateur, puis après, ça va appuyer sur les autres, puis ça va faire ouvrir les panneaux. Et puis après, la ficelle va se rembobiner toujours dans le même sens, puis après ça les refermera. Et qui c'est qui va boucher le piston de la soirée? C'est la pression. Comme la pression va diminuer, le piston va ressortir de la soirée. Il est 17h40. Dernier contact avec la nacelle peu avant son atterrissage. Au sol, la balise n'émet plus de signaux. Les radioamateurs ne peuvent plus la localiser précisément.